nous avançons aujourd'hui. De nouvelles palettes sur les champignons. On va essayer de maintenir, parce que là maintenant, nous sommes une grande famille. Depuis que 6 semaines que je suis ici, ça nous permet de faire des connaissances avec des gens très 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 sympathiques de tout corps de métier. On est là, on va y rester. Jusqu'à temps que ce matin nous apporte un coffre-fort ici, rempli de. Je fais cette vidéo pour dire, je m'adresse à Lolo de quitter derrière le problème de l'histoire de ma ministre, parce que comme elle, c'est une acheteuse de problèmes là, voilà, la personne qui est en train de se faire publier, c'est cette fille elle-même, parce que c'est ma ministre elle-même qui est venue. La personne qui est venue se publier elle-même, c'est ma ministre. C'est elle-même qui allait faire sa vidéo. On l'a venue, c'est elle-même qui a pris ses machins. Donc, Lolo Funja, il voit que tu as acheté le problème là. Voilà, il voit que tu as acheté le problème là et tu commences l'hypocrisie. Tu commences à faire genre, tu as trop pitié d'elle ou quoi que ce soit là. Voilà, elle était dans le groupe parce qu'on parlait avec elle. Et quand moi, j'étais pas là, je me suis endormi et elle est restée derrière, se déshabiller devant les gens. Voilà, qu'elle arrête de mentir, que je demande à l'argent ou c'est quoi ce qu'elle raconte, les bêtises là. Voilà, que tu arrêtes ça. Et Lolo, tu es en train de... Moi, je vais te dire, sors de ce problème parce que il y a les gens de ton entourage qui ont fait partie de ce groupe et qui ont également fait n'importe quoi là-dedans. Voilà, donc quand tu peux entrer pour ma ministre, tu veux profiter de ça pour me provoquer là. Donc sache qu'il y a les gens autour de toi qui ont fait partie de ce groupe et qui ont fait n'importe quoi. Voilà, pour ma ministre, c'est sorti parce qu'il y a une fille qui l'a capturée, qui était dans ce groupe. Elle connaît la fille. Ce n'est pas moi du tout, parce que je suis contre cela. Ouais. Donc, elle a fait volontairement. Et quand elle vient raconter sur les réseaux sociaux, là, je veux dire que c'est elle-même qui a voulu partager sa photo partout. Et moi, j'ai rien à voir avec ça. Donc, priez de plus prononcer mon nom dans cette histoire. Et Lolo, priez pour toi de fermer ta bouche sur ce problème. Ça ne te regarde pas. Voilà. Priez d'arrêter de faire l'hypocrite. Parce que le cinéma que tu es en train de faire là, c'est comme si quelqu'un lui a, c'est elle-même. C'est elle-même qui est venue, qui se publie pour passer partout dans les. Elle se publie partout pour passer. Pour passer partout dans les directs pour faire le buzz. Et directement, Lolo vient, elle surfe dessus. Donc Lolo, et t'as dit qu'il y a les gens de ton entourage que tu connais qui sont les gens proches de toi qui sont dans mes groupes et qui ont fait du sale. Donc on les avait toujours pas demandé de faire, ils sont venus faire. Voilà, ils sont venus eux-mêmes faire aussi la même chose que celle-là, elle a fait là-bas. Donc maman ministre s'est engagée toute seule à venir se montrer. Moi, j'ai une éducation chrétienne et je ne pouvais pas l'encourager. Le truc est que...
Et maintenant, la veuve joyeuse. Il y a vu que tu as fait une vidéo, tu as parlé de moi là, que c'est moi qui ai publié, machin. Je vais te dire quelque chose. Si tu me demandes pas les excuses, la veuve joyeuse, mon nom dans ta bouche, je vais t'insulter. Je suis sûr que tu vas aller. On va t'envoyer à l'hôpital. Toi, la veuve Mbindaïeuse là. Tu prononces mon nom pourquoi? Tu fais un direct, tu prononces mon nom dans les histoires. Nous, on a fait un groupe de divertissement. Les gens sont venus se déshabiller là-bas. C'est leur problème. On leur a bien prévenu. On leur a dit, ici, on ne montre pas ses parties intimes. On ne fait pas ça. Ils ont fait exprès. Voilà. Maintenant, vous allez avoir le sabotage. Les gens... Vous êtes là avec le sabotage, que le sabotage à gauche, à droite. Dans ma ministre, arrête de mentir que j'ai demandé. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je suis quelqu'un qui est très bien élevé. Tu dis que tu n'auras pas l'argent là. Tu es malade vraiment dans ta tête, toi, la femme là. Tu as vraiment un problème. La veuve joyeuse et toi, vous devez être interné parce que vous êtes. La veuve joyeuse et ma ministre doivent être internés. C'est des malades. C'est comme ça que lorsque j'ai eu le problème avec Lolo, la veuve joyeuse est venue dire qu'elle était là. Voilà. Tu parles, ils vont dire que la veuve joyeuse dit que c'est disque du camer. Elles sont les disques. Vu jouer les femmes qui ont pitié. Moi, je l'ai. Heureusement qu'elles m'ont pas prononcé là-dedans. Voilà, donc, moi, mes groupes, c'est le groupe de divertissement. Quelqu'un qui est dépressif, dans mes groupes, il est à l'aise. La veuve Joël était très heureuse dans mes groupes. Elle était très heureuse dans mes groupes. Elle se sentait bien. Mais elle a extrapolé parce que le jour où je n'étais pas là, je dormais. Comme maintenant, je suis ici, dans mon groupe, les gens sont là. Parce que mes groupes sont animés. Hein. Ça dépasse. Mes groupes dépassent le direct. Voilà, c'est une nouvelle forme de direct que les gens ne connaissent pas. C'est les vrais groupes. Les gens ne connaissent pas encore ça. Mais c'est mieux que Facebook. C'est mieux que les directs de Facebook. Que tout le monde se voit, tout le monde se parle, il y a de la monnaie. Donc, tu arrêtes de mentir, de parler d'argent. La vidéo a atterri dans tes mains, la photo a atterri dans tes mains, tu as décidé de partager. C'est toi qui as voulu partager la vidéo. Tu as partagé aux gens. Tu as partagé la vidéo, c'est toi. Et tu as envoyé à Lolo. Lolo est devenu folle sur la vidéo là, c'est son choix. Donc ton histoire de 2 500 € là, c'est le mensonge. C'est toi qui es venu te déshabiller, personne ne t'a déshabillé, c'est toi qui as voulu te toucher, tout ça c'est toi. Voilà, j'espère que tu vas laisser mon nom tranquille.